Comment tu crois ça? Acclame et poussez les cris des joies. Si réellement c'est fini, ce sont des cris de victoire. Des cris de victoire, c'est fini. C'est fini. En réalité, ton cri, c'est une expression dirigée vers les diables pour dire, tu vois comment j'acclame, tu vois comment j'écris là, pour te confirmer vraiment là. Amen. Fini. Quel que soit l'endroit où tu m'es tenu là, fini. Donc quand j'acclame, je dis, mais Satan, non, je ne vais pas te dire c'est fini, mais tu vois comment j'acclame là. Ça, c'est fini, toi. C'est fini. Tu dis c'est fini. Et crie de joie. C'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces chants a vraiment un sens. Et quand tu le dis, ne prends pas seulement, vous voyez, à la kinoiserie, quand on danse, tu dis seulement des paroles, c'est comme des cris, comme on dit les batalakou. Donc tu ne réalises pas qu'est-ce que tu as de dire. Quand tu dis c'est fini, mais vois-toi, maladie finie, pauvreté finie, célibat fini, est fini. Mais tu, c'est une déclaration prophétique. Quand tu dis, Yangala Satan, c'est fini. Oh, mais je suis en train de prophéter sur ta vie. Tu ne peux pas chanter un tel cantique et après, tu te vois toujours malade, tout le temps oppressé, tout le temps démon. Mais non. Quand tu danses, il faut toujours danser par révélation. C'est ainsi que tu vas voir, toi tu es en train de faire comme ça, mais une autre personne est en train de poser un geste. Tu te dis, mais ça va à l'encontre. Non, c'est sa révélation. Il suit les rythmes, mais lui il pose notre acte parce qu'il ça révèle que non, là, c'est fini. Hein? Donc à l'église, voilà pourquoi quand ton frère, ta soeur danse là, il ne faut pas trop juger, il ne faut pas trop regarder. S'il veut te mettre par terre, il dit Satan, tu vois, non, c'est fini avec toi. C'est pas révélation. Acclame seulement le Seigneur parce que tu as compris. Hein? C'est la révélation de Dieu. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour ce dimanche. Merci parce que nous réalisons que c'est fini, que l'œuvre a été accomplie à la croix. L'œuvre achevée de Christ nous a rachetés. Merci tendre Père pour ce dimanche de grâce, ce dimanche de célébration, ce dimanche où nous venons auprès de toi afin que tu puisses nous enseigner encore davantage, selon qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Merci pour la révélation qui nous vient ce matin. Nous allons comprendre par ta parole, réellement c'est fini. Réellement, il y a une œuvre qui a été achevée à la croix pour que nous soyons dans la joie, pour que nous puissions marcher dans une vie de victoire en victoire. Seigneur, merci parce que nous sommes venus en ce lieu, non pas pour devenir pire, non pas pour que nos vies restent au même stade, non. C'est pour que nos vies puissent faire un pas et les pas des géants. Merci parce que ta parole, qui est une lampe à nos pieds, va nous permettre ce matin de faire ces pas des géants. Enfin, que 2024 soit une année vraiment différente. Et nous les croyons, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta maison. Merci pour mon frère et ça qui est là ce dimanche. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que nous sortirons d'ici transformés, impactés par ta présence. Et voilà pourquoi nous t'acclamons encore. Nous t'acclamons encore, Esprit de Dieu. Esprit des révélations, toi qui nous parles, toi qui nous enseignes, toi qui nous révèles ta volonté, Père, en cette saison, en ce début d'année, en ce dernier dimanche de l'année 2000, des 10 mois de janvier, Seigneur, merci pour ta parole que tu nous envoies. Et nous croyons qu'assurément, tu vas nous parler par ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Bienvenue à ICC. Bienvenue à cette église d'apparence ordinaire. Voilà.
où vraiment l'amour de Dieu et la présence de Dieu nous transforme. Donc si cet amour-là t'impacte, tu peux regarder à gauche et à droite, regarder ton frère, voici il sourit, si elle sourit. Si elle ne sourit pas, tu lui dis, tu as intérêt de sourire. Parce que je vois l'amour de Dieu dans ta vie. Dis-lui, quand je regarde autour de moi, là, je vois toi. Donc je vois la gloire de Dieu sur ta vie, donc tu as intérêt à sourire. Dis-lui, non, vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Regarde, mais dis-lui, tu as intérêt à sourire. Dis-lui, tu as intérêt. Dis-lui, peu importe tes problèmes. Dis-lui, peu importe tes problèmes. Tu as intérêt à bénir Dieu. Faut lui dire, hein. Et attends. Et ajoute la parole prophétique que Dieu met dans ton cœur pour ton frère et soeur. Tu vas apprendre à exercer les prophéties. Ajoute une parole que Dieu met dans ton cœur. Si tu vois le visage là, tu dis, mais si les mariages traînent, attends, les mariages vont venir. Parole prophétique, si c'est le travail, déclare tout ce que tu dis, déclare. Dis-lui. Dis, parole prophétique, qu'est-ce que Dieu me dit dans ton cœur pour lui? Dis-lui, reçois. Dis-lui, reçois. Acclame le Seigneur. Voilà. C'est comme cela qu'on doit se saluer dans la maison de Dieu. Voyez, quand je te dis, Dieu te bénit. Et je t'ajoute encore des pipettes de paroles qui vont vraiment droit au cœur. Dieu te bénit. Je te vois cette année, je te vois dans une dimension d'affaires que tu n'as jamais expérimentée. Mais pose toujours ajouter. Toujours béni. Alléluia. Parce que pourquoi on le dit? On le sait que nous tous là, notre rendez-vous c'est au sommet. Tous les rendez-vous est au haut. Alors les gens qui doivent cohabiter au sommet, ils doivent apprendre à se dire des paroles qui se disent au sommet, non? Au sommet là, on se dit des paroles entre nous parce qu'on est au haut. Alors tu bénis seulement le Seigneur et acclame Dieu, tu peux t'asseoir. Merci les chantres, on acclame le Seigneur. Merci Jésus, tu peux bien prendre place. Dans la joie du Seigneur. Alléluia. Voilà. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait grâce d'être là debout par sa grâce et sa miséricorde. Voilà, comme nous sommes dans la joie, comme David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pour moi, c'est une joie. Et puisqu'il nous a fait du bien, voilà pourquoi on rend grâce. Et nous voulons bénir Dieu pour la vie de son serviteur, notre Père, notre pasteur, voilà, notre berger, qui est en mission, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux m'aider à rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Ghislain Biabatantou? Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Comme on le dit toujours dans la famille, la grâce que tu honores, c'est celle qui vient sur toi. Nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait dans sa vie et pour sa charmante épouse, notre maman Rosie. Ils sont en mission, voilà, par la grâce de Dieu. Ils nous ont laissés et nous pouvons rendre grâce. Tu peux bien t'asseoir. Merci Jésus. Merci pour leur vie. Vraiment, nous reconnaissons que ce sont des bons parents pour nous. Et merci beaucoup à nos, si pour parler des grands parents, voilà, Pépé, voilà, on rend grâce à Dieu pour l'apôtre. Voilà, l'apôtre Ivan, on bénit Dieu pour, s'il n'avait pas obéi, on ne serait pas ici. Pour l'apôtre Yves, on bénit Dieu pour nos pères. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Assurément, tu es au bon endroit. Hein? Tu es au bon endroit, tu es la bonne personne et tu es au bon moment. Vraiment, c'est toi la bonne personne. Hein? Toi la bonne personne que Dieu a conduit dans cette famille ici. C'est une famille. L'église, c'est une famille. Et nous rendons grâce à Dieu pour nos pères parce que vraiment, ce sont des excellents pères pour nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas, ils sont parfaits, non. Mais ce sont des pères qui ont le cœur de Dieu. Les cœurs pour les âmes. Et voilà pourquoi on rend grâce à Dieu. Alléluia. Et toi, si tu as le même cœur, dis-moi amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Toi, si tu as le même cœur. Donc, tu aimes Dieu, tu aimes l'œuvre de Dieu, tu aimes tout de Dieu. Tu es vraiment véritablement enfant de Dieu. Donc, on est tous ensemble. Alléluia. Et j'aimerais vraiment bénir Dieu pour tous ces points. Et ainsi, je bénis Dieu aussi pour ta vie parce que tu es là, vraiment là. Dieu t'a fait du bien, il t'a traversé 2023-2024. Hein. Dieu t'a fait beaucoup de bien. Dis-moi amen. Même si tu n'as pas encore vu ça, mais je vois déjà que cette histoire est collée à ta vie, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Peu importe l'adversité,
Il faut arriver à dire ça, peu importe la diversité. Je sais une chose, c'est que Dieu a dit, ça va s'accomplir dans ma vie. L'église, quand on vient à l'église, nous ne venons pas à l'église, comme Paul le dit, pour devenir plus mauvais, non. On vient à l'église pour devenir excellent. Excellent dans la foi, excellent. Voilà, dans tout ce qui concerne la vie de Dieu. Nous venons à l'église pour nous perfectionner. Et la Bible dit, il a établi ses serviteurs pour le perfectionnement des saints. Donc tous les jours lorsque nous venons, quand nous venons à l'église, la parole a pour but de nous perfectionner. Dis-moi seulement Amen. Voilà pourquoi je te vois cette année faire un pas de géant dans tous les domaines de ta vie, dans la foi, dans la prière. Je te vois là où tu dormais beaucoup là. Je te vois comme une guerrière, un guerrier dans la prière. Je dis oh là là, tes ennemis auront très chaud. Dis-moi seulement Amen. Voilà, tu dis Amen, tu reçois. Alléluia, parce que c'est là où Dieu veut nous voir, nous tous, les rendez-vous et au sommet. Alors depuis un temps, le Père nous parle sur, voilà, le dimanche dernier, il a parlé sur comment vaincre l'iniquité des pères, vaincre l'iniquité des ancêtres. Et voilà, c'est vraiment une série dans laquelle nous nous retrouvons. Alléluia. Et si ce message-là t'avait béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? C'est vraiment, vraiment là, tu peux juste rendre grâce à Dieu pour cette famille où tu reçois la bonne parole. Vous voyez, dans une famille où on mange bien, les enfants n'ont pas besoin d'aller manger chez les voisins. Donc toi, tellement tu manges bien, tu n'as pas besoin d'aller chez les voisins parce que tu as une bonne parole ici. Je croyais que j'allais dire Amen. Oui. Parce que tu vois les enfants, si tu as tes enfants, ils aiment tout le temps chez les voisins manger là-bas. C'est que maman, regarde bien ta cuisine. Essaie bien d'agiter ce que tu donnes à tes enfants. Assurément, tu ne leur donnes pas de bonnes choses. Mais pour toi, je sais que toi, on te donne des bonnes choses. Des choses qui ne te disent pas tout le temps, qui ne te poussent pas tout le temps à dire des Amen, Amen. Non, mais à un moment donné, ça te tape. Tu dis, hey, ça, vraiment, je dois me recadrer. Ça là, je dois m'ajuster. Ça là, parce que ma bénédiction est là. Dieu me dit, je dois m'ajuster et je dois le faire. Donc, c'est un bon repas pour toi. Dis-moi Amen. C'est une bonne cure pour toi. Et tu es au bon endroit. Et la seule chose que je dois faire lorsqu'on écoute de tels messages, il faut, comme la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais traduisez-la, traduisez cette parole-là en pratique. Il faut se forcer à vivre ou à pratiquer ce que la Bible dit. Si c'est par l'obéissance, si c'est par la mise en pratique, si c'est par une dimension où je dois prier pour réclamer des choses. Il faut que aussitôt, lorsqu'on presse les dimanches, la semaine, c'est comme un terrain où on te dit, va exercer la parole qui t'a été envoyée. Parce que la Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il dit, il leur a envoyé la parole. Ils étaient dans quelle dimension? Ils étaient dans la détresse, dans les problèmes. Comme tu es là ce matin, tu as des problèmes, tu te dis, mais ma vie ne marche pas, il y a des problèmes, tout ça. Mais Dieu dit, attends, ma solution pour toi, ce ne sont pas des biens matériels, ma solution pour toi, c'est la parole. C'est ma parole qui vient vers toi. Et quand la parole vient, elle fait quoi? La parole éclaire ton chemin. La parole t'éclaire, il te montre parce que ta vie doit avancer. Ta vie doit faire les pas pour aller vers ta destinée. Mais tellement que les ténèbres te couvrent, la parole vient pour t'éclairer, afin que tu saches où mettre tes pieds. Voilà pourquoi tu dois recevoir la parole avec joie. Voilà pourquoi je ne dois même pas te dire, dis-moi Amen. Non. Mais dis-moi quand même Amen. Voyez comment vous êtes. Vous avez fait les pasteurs, doivent commencer à dire, dis-moi Amen. Bon, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais est-ce que c'est moi qui dois te dire, dis Amen? Amen veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire, je prends cette parole, je dis, ainsi soit-il dans ma vie. Ou ainsi sera-t-il dans ma vie. Donc c'est moi qui prends. Donc en réalité, vous faites des pasteurs, des motivateurs qui vous motivent, dis Amen, dis Amen. C'est comme si on doit te démarrer pour que tu comprennes que non, à l'église là, il n'est pas question qu'on te démarre. Tu es déjà démarré chez toi à la maison par l'esprit. Et quand tu viens, tu dis, je viens recevoir, je viens attraper ce que Dieu a préparé pour moi. Et chaque parole qui me correspond, je l'attrape. Ça, ce sont des vrais Amen. Bon, dis-moi seulement Amen. Acclame le Seigneur.
Pourquoi ça? Parce que il y a des gens, il est là, mais ses pensées sont ailleurs. Il ne réalise pas qu'il est dans la présence de Dieu. Et David dit, je suis dans la joie quand on me dit où? Non, pas quand on va te dire, va regarder les matchs du léopard. Non. Toi, tu es là, il y a même quelqu'un qui a dit, on a dit à tous les pasteurs de prêcher, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'ai dit, Seigneur, priez-moi ces gens ici. Il dit ça, non, pasteur. Il y a un frère qui m'a envoyé pas ça. On a dit, le dimanche, vous tous, vous prêchez seulement sur ça. J'ai dit, ah. Des miséricordes. J'ai des miséricordes. Non, on est dans la joie lorsqu'on nous dit, allons dans la maison de l'Éternel. Voyez, hein? Je me rappelle à l'époque, j'étais vraiment. Bon, je crois que j'étais. Hein, je disais, j'aimais beaucoup le foot avant. Hein, avant que je puisse me convertir, c'était vraiment. Moi, je ne manquais pas les stades des martyrs. Hein. Je ne vais pas citer l'équipe que je supportais là. Je ne vais pas citer. J'étais vraiment quelqu'un qui ne manquait pas les stades. Mais, depuis un moment, quand Dieu m'a délivré, quand je suis devenu enfant de Dieu, t'assure, j'étais vraiment. Même quand on dit, oh non, à l'époque des Classico, Barça et Real, frère, je ne peux pas manquer. Hein. Mais. Lorsque Dieu m'a délivré de ça, là-bas, même si on dit un match, je ne dis rien. Je dis, mais si j'ai le temps, je regarde. Si je n'ai pas le temps, si je dois être dans la présence de Dieu et qu'il y a ça, une telle rencontre, ça me dit rien. Il n'y a aucune rencontre qui est plus importante que ma rencontre avec Dieu. C'est ainsi que David le dit en étant roi. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et il n'y a aucune rencontre qui peut être plus importante que ma rencontre avec Dieu. Tu comprends les niveaux de considération? Il dit, il n'y en a pas. Hein? Or, il y a des chrétiens aujourd'hui, si Léopard jouait à 10h ou à 11h, je ne dis pas, toi-même tu sais. Toi-même, tu sais, ta chaise là, elle est vide. Tu vois? Si tu es encore à ce niveau-là, j'ai pris qu'en 2024, tu sois délivré de ça au nom de tes livres, délivre. Et puis tu vas aller là-bas et puis après, bon, tu vas sortir des chocs et tu as envie de faire tomber ta télé. Tu te rends compte, tu vas te dire, hé, Bakam Boudjo. Je dis, après, garde ton cœur. Prie pour eux. C'est bon, c'est tout. Dis-moi amen. Donc, ne fuis pas l'église, ne fuis pas pour ça. Et alors, voilà pourquoi tu dois comprendre la parole de Dieu, parce que ça t'amène à une autre dimension où Dieu est au sommet, où Dieu est à la tête. Peu importe ce qu'on va te présenter. Si c'est en rivalité avec Dieu, tu dis non, je ne peux pas. Moi, je dois aller dans la maison de Dieu parce que c'est Dieu qui est vraiment le plus important pour moi. Et voilà pourquoi Asaph pouvait dire, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Quand je m'approche de Dieu, c'est plus que tout. Je ne peux pas rater un rendez-vous de culte. Je ne peux pas rater la prière parce que je dois voir Franck. Ou Franck m'appelle juste au moment de la prière, le vendredi, il me dit, j'ai besoin de te voir. Et je décline les rendez-vous de Dieu et je vais répondre à un rendez-vous de nom. J'ai expérimenté ça et à chaque fois que je faisais ça, là où je partais, ça échouait toujours. C'est comme cela que le Seigneur m'a enseigné. Chaque fois que j'ai négligé une rencontre de Dieu pour aller à une rencontre quelconque, tout ce que ce soit, ça ne marchait toujours pas. Et là, j'ai résolu, j'ai dit jamais. J'ai compris la leçon, Seigneur. Qui est fou? Je comprends? Non, je comprends. Même si tu m'invites comme moi, je ne viens pas. Si ça rencontre, je ne viens pas. Je te dis, ma soeur, mon frère, c'est bon, mais on peut reporter. C'est bon. Sinon là, j'ai un rendez-vous qu'on ne peut pas reporter avec Dieu. Ça ne rate pas. J'aurais dû vraiment me dire amen. Parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de moi. Alors, le titre de mon message, faisant suite à ce que le Père a commencé à nous enseigner. Et dimanche dernier, il a parlé comment vaincre l'iniquité des pères. Et ce matin, moi, je parle de deux garanties du sang de Jésus. C'est une suite de ce qu'il a commencé à développer. Et quand il parle de vaincre l'iniquité des ancêtres ou des pères, c'est vraiment dans la dimension de vaincre où tu dois rester. Il a décortiqué, il a différencié l'iniquité, les péchés, parlant que l'iniquité, vraiment, c'est ce qui est beaucoup plus profond en nous, qui nous a été transmis par nos pères ou bien nos ancêtres. C'est que nous avons hérité de nos parents. Et ça a pris place dans notre sang. Et ça crée les dégâts aujourd'hui dans notre vie. Ça nous dérange.
C'est une réalité qui est devant nous. Mais ce que j'aime dans ce que Dieu nous dit en cette saison, c'est il nous parle de comment, voilà, il nous parle qu'il y a une solution par rapport à ça. Quand tu dis vaincre l'unité, voilà, les messages voulaient nous dépeindre comment Dieu a solutionné ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois te battre pour ça. Non. Ça ne veut pas dire que non, tu dois faire des efforts comme si, voilà, tu dois fournir des efforts par toi-même pour arriver avec ça. Non. Ça veut dire seulement, dans ça, il y a une solution prévue par Dieu que tu dois utiliser. Vaincre l'iniquité des pères, c'est possible. Et ce matin, ce dimanche, tu vas vivre ça au nom de Jésus. Parce que Dieu a déjà solutionné cela. Et voilà pourquoi ce matin, je viens avec ce sujet de deux garanties du sang de Jésus-Christ. Deux garanties seulement. Il y en a beaucoup. La liste est loin d'être exhaustive, mais j'aimerais vraiment s'atteler sur ces deux points-là. Par la grâce de Dieu, on verra d'autres points très prochainement. Alors, il y a quelques vérités que j'aimerais poser comme fondement en ce dimanche pour toi, pour que tu comprennes quelques vérités. La première vérité est que le sang a été versé par amour pour nous et non par décret ou par loi. Le sang que Jésus a payé, puisque nous parlons du sang de Jésus, c'était par amour. Et les versets, les passages qui t'aident à comprendre ça, c'est Jean 3, 16, les passages que tu connais. Il me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par amour. Donc, mourir à la croix pour Jésus, verser le sang, c'était par amour de Dieu, de tout son cœur. Ce n'était pas une loi. On ne l'avait pas forcé. Les pères n'avaient pas dit non. Et Jésus, va non, non, va là-bas, va descendre. Non, ce n'était pas par force. Il s'est donné lui-même par amour pour toi et moi. Voilà pourquoi tu dois lui dire merci et voire même l'acclamer. Ouais. 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 Parce que c'était son initiative. L'homme était privé de la gloire de Dieu. Selon Romains 3, 23, tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans sa pensée, c'est lui qui voulait à tout prix, parce que l'homme, je l'avais créé pour qu'il soit à mes côtés, pour qu'il vive à mes pieds, pour qu'il vive en intimité avec moi. Mais l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, Dieu commençait à penser. Il dit, comment je fais pour ramener l'homme à l'état initial? Donc, aller à la croix, c'était juste une expression de l'amour de Dieu pour toi et moi. L'amour de Dieu. T'es sûr que tu ne peux pas manquer les sujets pour bénir Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas te forcer, mon frère, ma soeur? Non, adore Jésus. Non, rends grâce. Non. Quand tu penses seulement qu'il y a quelqu'un, la Bible dit dans Romains 6, je crois même, alors que nous étions inimitiés avec lui, mais Christ est mort pour nous à la croix. Nous étions des ennemis. On ne se parlait pas. Il n'y avait pas d'accord. Mais c'est en ce moment-là, Christ est allé mourir pour nous à la croix. Mais pour les hommes, c'est une folie. Comment? Celui avec qui on ne parle pas. Et je peux donner ma vie pour lui. Ce n'est pas possible. Mais Christ l'a fait. Voilà pourquoi tu ne dois pas manquer les sujets d'action de grâce. Dire Seigneur merci parce que tu as pris ma place à la croix. Merci, c'est par amour pour Dieu. Là c'est la première vérité. Et la deuxième vérité, le sang était pour Dieu et la fête était pour nous. La fête pour nous, tu vas comprendre. Dans Exode 12, 13, la Bible dit, Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Regarde, la deuxième vérité, c'est le sang était pour Dieu. Et Exode nous le dit, qui avait besoin de voir le sang? C'était Dieu qui voulait voir le sang. Et il leur dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Donc, Dieu avait besoin de voir les sangs. Les sangs. Les sangs coulés, c'était une satisfaction de Dieu. Et en revanche, le peuple
Pendant ce temps-là, faisait quoi? Le peuple, pendant ce temps, alors que Dieu était satisfait en voyant les sommes, le peuple devait se réjouir en mangeant l'agneau. Donc, quand on parle du sang, Dieu, pour l'histoire des enfants d'Israël, il avait dit, si je vois le sang, moi, c'est fini, c'est bon. Je vous protège, je vous garantis tout. Et, mais vous, l'agneau là que vous avez immolé, ça doit être mangé. Donc voilà pourquoi j'ai dit la vérité, c'est quoi? Le sang, c'était pour Dieu et la fête, c'était pour nous. Parce que, et il mangeait alors que Dieu était satisfait en train de voir le sang. Donc voilà pourquoi je viens de déclarer dans ta vie, en cette année ici, alors que nous parlons du sang, Dieu est content du sang, mais toi tu dois être dans la fête. Toi tu dois être en train de manger. Tu es en train de prendre ce que Dieu a préparé pour toi. L'agneau doit être mangé. Le sang pour Dieu. C'est comme dans l'animal, Dieu avait dit, moi la partie qui m'intéresse, vous prenez le sang et moi, vous prenez, moi je prends le sang et vous manger toute la viande. Rien. Il s'agit de manger. Et quand on mange, on se réjouit. Quand on mange, c'est la fête. Voilà pourquoi tu dois vivre la fête cette année au nom de Jésus. Quand je parle de la fête, c'est une dimension de joie. C'est une dimension de moisson. C'est une dimension de récolte. C'est une dimension où tu es béni. Tu vis dans la bénédiction pleinement établie parce que Dieu est content en voyant le sang. L'ennemi ne peut pas me toucher. Le dévastateur ne peut pas parce que Dieu est satisfait par le sang. Satan ne peut pas entrer dans ma maison. Dans ma maison, c'est la fête. Dans ma maison, c'est la joie. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la pauvreté. Pourquoi? Parce que Dieu voit le sang. Le sang est là, il voit sur les linteaux, et moi, je suis dans la joie. Cette année, tu dois marcher dans la joie. Cette année. C'est le sang. Quand Dieu a vu le sang, il dit c'est bon. Même celui qui détruisait là, il ne va plus détruire. Frère, le problème, c'est être conscient de ces vérités. Être conscient, parce que si Israël n'avait pas appliqué ce que Dieu avait dit, ils n'étaient pas dans la dimension application de la parole, ils seraient tous détruits. Et pourtant, Dieu ne voulait pas qu'ils soient détruits. Et ils ont appliqué le sang. Dieu était content, et là-bas, ils étaient protégés, et ils étaient en train de manger. Ils mangeaient, pas n'importe quelle viande, hein. Ils mangeaient l'agneau. Tu vas manger les repas que tu n'as jamais mangé dans ta vie cette année 2024. Je dis ça à cause du sang. Non, la qualité de ton amen détermine les repas qui vont se présenter sur ta vie. Dis-moi amen. Donc tu peux te dire, puisque Dieu tu as vu le sang, alors moi, je suis dans la joie. La fête commence aujourd'hui. Je suis béni Dieu pour ma vie. Il n'y aura pas de plaie dans ma maison. Je ne serai pas frappé. Non, pourquoi? Parce que Dieu, tu as vu le sang. Le sang qui devait couler pour que moi je fasse soif. C'est comme une condition pour que je fasse soif. Il faut que Dieu voie le sang. Mais la condition est remplie de l'autre côté. Dieu a vu le sang. Mais pourquoi ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi? C'est tout simplement à cause de la révélation de ces choses. Et quand on comprend ces choses, on ne vient pas demander, on ne vient pas dire à Dieu, Seigneur, pitié, comment ça? Non! Tu dis, Seigneur, le sang là, comme le sang d'Abel avait parlé, le sang de Jésus aussi crie plus fort. Ça parle pour qui? Le sang d'Abel criait vengeance pour Abel, criait en faveur d'Abel. C'est comme le sang de Jésus qui a été versé pour toi, ça crie pour toi, ça parle devant Dieu à ta faveur. Le sang dit, papa bon Dieu, cet enfant, cette année, il doit vivre sa bénédiction en intégralité. Il doit... Oh Seigneur, il seulement amène. Oh! La troisième vérité, la Bible dit, Hébreux 9, 12, il est écrit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Donc on parle de Jésus, il est entré une fois pour toutes, mais il est entré où? La troisième vérité nous dit ceci, Jésus n'a pas négocié ou transigé avec les diables pour notre salut, mais c'est auprès de Dieu et pour Dieu qu'il a versé son sang pour nous. Jésus n'est pas allé négocier avec Satan. La mauvaise
conception des choses, même moi, jusqu'à ce que je puisse tomber sur ça et que Dieu puisse me révéler. Il m'a dit, Cédric, non, quand vous parlez que Christ vous a racheté, il a payé le prix. Il me dit, vous voyez plus, vous voyez dans votre esprit que l'homme, Christ est allé payer le sang, payer le prix chez Satan. Il dit, c'est faux. Satan, ma créature, je vais aller payer le prix. Donc si je pars payer le prix chez Satan, c'est que Satan était plus fort que moi pour retenir les gens. Et moi, j'étais incapable pour délivrer les gens. Il dit, non, c'est faux. La négociation, les prix à payer, c'était devant Dieu lui-même. Puisque la Bible dit, Dieu, il nous a réconciliés avec lui-même. Donc on était en inimitié avec lui-même et dans sa bonté, il a voulu que l'homme puisse retourner vers lui afin de rétablir la relation. Satan n'est pour rien. Toi, quand les problèmes t'arrivent, c'est maintenant que tu vas comprendre ça. Toi, tu as toujours vu Satan. Satan, laisse ma vie. Même le diable a envie de te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tout le temps, mon nom, tu fais quoi? Tout ce que tu vois dans ta vie, c'est Satan. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Parce que Satan, des fois, il dit, je suis innocent. Je suis innocent. Je ne sais pas pourquoi tu m'attaques tout le temps. Comprends toi-même, les problèmes, c'est toi. Et quand tu comprends ça, tu réalises que regarde, l'homme a péché. Dieu a créé l'homme pour lui. Et regardez même, quand l'homme a péché en Éden, Dieu, regarde même, vous allez comprendre. Où était Satan quand Adam et Ève ont péché? Où était Satan? Vous allez voir qu'il n'était pas là. Et quand l'homme a commencé à trouver des, Dieu a commencé à trouver des solutions. Quelle est la première solution que Dieu avait trouvée quand Adam et Ève avaient péché? Qu'est-ce qu'il avait fait? Quand il les a trouvés, il avait fait quoi? Il les a couverts. Il les a couverts. Il a confectionné, il a pris les feuilles d'olivier, il les a protégés. Dieu les a gardés. Regardez bien. Dieu, lui-même, l'homme a péché. Quand il vient chercher, il dit, Adam, tu es où? Oh non, je me suis caché. Ah, pourquoi tu t'es caché? Qui t'a dit tu es ni? Oh Satan, ok. Quand il a parlé, il dit, ok, je ne peux pas laisser l'homme dans cet état. Et moi-même, je dois trouver la solution. Et il dit, je te couvre. Mais après, il donne une promesse, il dit, attends, tu ne resteras pas là parce que tu as été créé pour moi, pour vivre avec moi. Je ne peux pas te laisser là. Et Dieu a proposé la solution quand il parle de la postérité de la femme. Il parle au serpent. Il annonce une génération. Il annonce une race qui va venir, qui va rétablir l'homme dans son état initial. Donc c'est dans sa pensée, dans ses projets, Dieu lui-même, il avait prévu la rédemption. Donc la négociation devait se faire avec Dieu lui-même. Mais d'où provient l'agneau? L'agneau vient de qui? Qui pourvoit l'agneau? Dieu. Et pourquoi il pourvoit l'agneau? Parce que l'agneau doit verser le sang et le sang doit racheter l'homme. Mais de la même manière, il dit dans Exode 12, c'est Dieu qui a besoin de voir le sang pour résoudre les problèmes de l'homme. Donc Satan n'a rien à voir dedans. Comprendre cette vérité te délivre de beaucoup de choses. Tu ne vas pas aller négocier avec Satan. C'est ce que je vais te dire. Donc ton problème n'est pas négocier avec Satan, même si c'est le péché ou l'iniquité. Ce n'est pas Satan. La solution est auprès de ton Dieu. Et... Ah là là là. Les rachats. Mais il te rachète non pas par rapport à Satan, par rapport à lui-même. Regardez, l'histoire de Boaz, de Ruth, ça vous enseigne beaucoup de choses. Allez voir, Dieu avait, je n'aurai pas le temps d'entrer là-dessus, vous allez comprendre ça si vous lisez. Allez comprendre, Boaz a eu le droit de rachat sur Ruth, comment? C'est exactement à l'image de Jésus. Il était son proche parent. Il y avait un proche parent avant qui a désisté et Boaz a pris les droits. Parce que pas tout le monde, c'est pas n'importe qui pouvait venir dire, bon, prendre Ruth en mariage, tu devais être proche parent. Et quand Dieu parle de la loi du rachat, les jubilés dans la Bible, mais c'était l'homme des choses, c'est à l'image de ce que lui avait déjà préparé en avance. Les droits de rachat sont, il nous a rachetés. Le prix a été payé chez lui-même. Satan allait faire quoi avec le sang? Voilà pourquoi Jésus, quand
Lorsque ce jour-là, il a résisté, il a dit à Marie, il a dit, Marie, attends, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Je ne suis pas encore monté. Attends, parce qu'à ce moment-là, Jésus devait monter avec les sons pour aller présenter au Père. Voilà ce que tu voulais, afin que tu effaces les péchés de l'humanité. Voilà, j'étais la porte. Donc, c'est Dieu qui avait besoin de voiler les sons. Donc, ça n'a rien à voir avec Satan. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un dit, pasteur, ça veut dire quoi? Non, ça n'a rien à voir. Il est entré où? Dans les lieux très saints. Avec quoi? Avec les sons. Qui est dans les lieux très saints? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Il est allé présenter pour dire, voilà, j'ai satisfait. Une fois pour toutes. Alors que dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs devaient entrer tous les jours pour son péché et pour les péchés du peuple. Et si Dieu n'agréait pas ça, la Bible dit que les souverains sacrificateurs, ils avaient des robes qui avaient des grenades. Ils avaient des grenades en bas là-bas qui faisaient du bruit. Donc, les bruits là, ça signifiait que non, tu es encore en vie. Et si on remarquait qu'on n'entendait plus les bruits, là on savait que non, Dieu n'est pas content du prix et le souverain est décédé. Et il avait la corde au cou. La corde là pouvait permettre que non, s'il meurt là-bas, on les retire, on les tire seulement tout simplement comme ça. Parce que personne ne pouvait entrer là-bas. Mais écoutez, la bonne nouvelle, Jésus, quand il est allé négocier avec le Père, la Bible dit, il a satisfait le cœur de Dieu une fois pour toutes. Ah, frère. Une fois pour toutes, et pour tes péchés passés, tes péchés présents et futurs, c'est fini. Parce que les souverains sacrificateurs devaient entrer tout le temps quand le peuple pêche. Il vient, il demande pardon pour lui-même et pour les peuples. Tous les jours. Dieu a dit non, ça doit finir. Il y a une race des gens qui doit venir là. Et on va faire l'expiation une fois pour toutes. Et c'est ta race et c'est ma race. C'est nous, cette génération. Voilà pourquoi tu dois bénir Dieu pour le temps de la grâce. Oh. Bénis Dieu pour le temps de la grâce. Bénis Dieu pour le temps de la grâce. Il y a des gens qui disent, non, moi j'aurais voulu vivre dans l'ancienne alliance. Tiens, l'ancienne alliance là. Ah, mais la Bible dit que la nouvelle alliance contient des promesses beaucoup plus meilleures. Il y a quoi dedans? Toi, tu regardes, tu dis, ah, je voulais vraiment, je pouvais être comme Moïse, hein, comme Abraham. Mais la Bible dit, les prophètes des temps anciens, là, ils ont mené des investigations, ils ont fait des recherches pour connaître à quel moment sera cette saison, à quel temps. Ils ont cherché, parce qu'ils voulaient vivre ces temps ici de la grâce. Ils voulaient vivre ça. Mais la Bible dit, ça ne leur a pas été accordé. Mais ça a été donné pour toi et pour moi. Mais toi, qui es dans la grâce, tu ne réalises pas. Ah, j'ai prié que ce matin que tes yeux s'ouvrent. Que tu comprennes les tombes de la grâce. C'est une saison où, frère, même quand on parle des sacrificateurs ici, les peuples n'avaient même pas le droit d'aller dans la présence de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu peux prier chez toi, à la maison, que tu sois dans la toilette, à la douche, partout, tu peux prier, Dieu va t'entendre. Mais dans l'ancienne alliance, il n'y a qu'une seule personne qui devait prier. Tout le monde devait attendre là-bas, dehors, frère. Et tu vas aimer ce temps-là. Acclame Dieu pour la grâce. Acclame Dieu pour la grâce. Acclame Dieu pour la grâce. Donc, la négociation, ce n'était pas avec Satan. C'était avec Dieu pour notre salut. Et il l'a fait. Et voilà pourquoi, quand Satan nous regarde, voilà pourquoi une autre vérité, c'est depuis que ce sang-là a coulé, Satan ne peut plus nous accuser. Satan ne peut plus t'accuser. Il ne peut plus. Il n'a plus les droits. Si vous lisez Zacharie chapitre 1, chapitre 3, les versets 1, vous allez voir comment Satan était venu accuser Josué, les sacrificateurs Josué, Satan est venu l'accuser. Si vous lisez ça, vous allez voir ça, on n'aura pas le temps de lire. Mais c'était vraiment l'accusateur. Mais j'aime la Bible parce qu'Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'accusateur a été vaincu. Et depuis que le sang a coulé, Satan a perdu sa fonction d'accusateur. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que le sang a coulé, Satan ne peut plus t'accuser chez papa, ton Dieu. Il n'a plus le droit d'aller rapporter des choses. Il n'a plus, regardez, Satan, son rôle, il n'est pas le juge des juges. Le juge des juges, c'est ton papa. Dis-moi, amen.
L'Égypte, c'est ton père. L'avocat qui plaide pour toi, c'est aussi dans ton corps, c'est ton grand frère Jésus. Et Satan, lui, vient comme étant un accusateur pour dire non. Les camps adverses, c'est comme le ministère public, il dit, voilà ce monsieur ici, il a fait ceci, il a fait cela, il a le droit d'être condamné. C'est ça son rôle. Mais il oubliait une chose, que l'avocat qui va plaider pour toi, c'est ton grand frère. Et celui qui est là-bas, le juste qui doit trancher, c'est ton papa. Dis-moi, comment il va vaincre? Comment il va vaincre? Donc, fini les accusations du diable. À toi aussi, sois conscient que puisque le sang a coulé, je ne peux plus me fier, je ne peux plus mettre, ouvrir mes oreilles aux accusations du diable. Nous sommes plus conscients de ce que le diable dit, plus que de ce que Dieu nous dit. Plus conscients. Et voilà pourquoi j'ai dit, le but de l'enseignement du Père, ce n'est pas te rendre conscient de tes iniquités. J'ai vu les gens dire, hé hey, pasteur, je comprends. Ah, ça c'est l'iniquité, ça c'est ça. Mais non, les chrétiens disent, mais ce n'est pas possible. Le but est que tu sois conscient du sang qui est venu résoudre le problème d'iniquité. Le sang était la solution pour ça. Ne passe pas ta vie en commençant à passer des semaines, des mois, iniquité. Non, il y a une solution pour ça et tu vas comprendre ça ce matin. Dis-moi seulement amen. Et voilà pourquoi ce qui m'amène à t'expliquer la notion de la garantie. La garantie, comme on le sait tous, c'est une caution qu'on donne pour sécuriser un paiement. Et quand je parle de deux garanties du sang de Jésus, il y a le sang nous donne des garanties. Il y en a beaucoup, mais ce matin, on va rester dans des. C'est une caution que Dieu a donnée par le sang pour sécuriser quelque chose. Dieu a payé, il a donné ça. C'est comme une assurance que Dieu donne. Il te dit, reste calme. Par le sang, tu as ça. Le sang, c'est une garantie pour toi. C'est une assurance que ces choses ici, c'est à toi et tu dois vivre ça. Ton Dieu a fait sa part. Il faut que tu comprennes ces choses. La vie chrétienne ne commence pas par les cris, les grimaces. Non, la vie chrétienne commence par la révélation de la parole. Parce que Satan viendra dans ta vie. Je pense qu'il a déjà commencé, depuis l'année a commencé. Il vient te dire, il est écrit. Et toi, tu dois répondre par, il est aussi écrit. C'est la révélation de la parole qui doit te conduire. Maman, papa, arrête de dormir. Arrête de rêver. Il faut que cette année, que tes yeux s'ouvrent. Il faut que Dieu t'éclaire. Il faut que tu comprennes. Tu entres un peu plus dans la profondeur. Parce que la clé ou le problème, c'est dans la révélation de la parole qui doit t'éclairer. Le sang a été versé. La garantie a été versé, a été donné. Mais le problème, c'est lui pour qui on a donné la garantie. Est-ce qu'il est conscient qu'il y a une garantie qui a été donnée pour toi? Toi pour qui on a payé la garantie, est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu es conscient? Tu peux bien te lamenter, pleurer, ma vie ne marche pas, tout ça. Mais pourquoi on parle de l'œuvre achevée de la croix? Il est venu achever quoi? La bonne nouvelle est que l'œuvre achevée de la croix n'était pas pour Dieu, c'était pour l'homme. Il a achevé pour l'homme. Pour que l'homme entre dans son héritage, qu'il puisse vivre de l'héritage que Dieu a préparé pour lui avant la fondation du monde. Mais est-ce qu'on en est conscient? Des fois, pour dire des prières qu'on fait à l'église, des fois quand on prie, si on pouvait écouter la prière de certaines personnes, quand tu écoutes des fois, bon, après, vraiment, je suis toujours curieux. Un jour, on était ici, on priait. Il y a une sœur qui priait là derrière moi. Vraiment, franchement, elle m'avait, bon, pas déconcentré, mais j'étais quand même, je devais arrêter ma prière pour entendre ce qu'elle disait. Elle priait. Seigneur, Jésus n'angaye, et Jésus n'angaye, et beaucoup n'angaye, et Jésus, oh non, Seigneur, basu libre n'angaye, et bakangi bakenango, mais alors que le pasteur disait qu'on adore,
qu'on élève Jésus. Oh, mais j'étais obligé d'arrêter. J'ai dit, Seigneur, pardon, Limbisanga, il faut seulement que j'arrête, que j'écoute d'abord la prière de ma sister. C'est tellement plein d'onction que je dois arrêter quand même. Seigneur, vous avez gagné. Et là, elle plairait. Vous avez gagné. Oh, j'étais aussi, toi, tu étais ma père, tu allais aussi couper ta prière. J'ai dit, vous avez gagné. Ma bombe, papa, n'a gagné. J'ai dit, Seigneur, bon, j'ai dit, Seigneur, ok. J'ai prié, dit, à la fin. Vraiment, je ne vais pas la rater. Je ne vais pas la rater. Il n'y a pas de problème. On y va. J'ai dit, ma sister, pourquoi ça? Elle commence à me dire, pasteur, non, c'est pas ça. Pasteur, papa est mort. On a tout. J'ai dit, oh, mais tu es chrétien, ça fait combien de temps? Et elle m'a dit, tu es à l'église ici, ça fait combien de temps? Elle m'a dit, j'ai dit, oh, tous ces talents, tu es ici. Et tu pries comme ça. J'ai dit, mais non, il y a un problème. C'est que tu n'as pas compris une chose. Pas compris. Donc tu ne peux plus prier comme ça. Cette prière ici te défavorise devant Dieu. Tu ne pries pas comme une héritière. Tu ne pries pas comme quelqu'un qui mérite. Non. Là, tu es en train de commander. Non. C'est ne plus comme ça dans la nouvelle alliance. Attention. Il y a des prières qu'on faiblit. À cause du sang. Tu ne peux pas être là. Seigneur, aie pitié de moi. T'as la boutique. Ma prière, ce n'est pas chrétien. Même les prières, quand quelqu'un pleure, je dois savoir, tu pleures pourquoi? Ah, Seigneur. Ah, Tikingai. Oh non. Comment tu fais dire qu'à Tikio? Lui, il a dit dans la parole, il n'abandonnera personne. Il ne peut pas abandonner. Comment toi, tu peux dire que non? Zambe, Otikangai. Non, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Il y a des choses, mon frère. On est au début de l'année. C'est le dernier dimanche du mois de janvier. Je te dis, je t'en supplie. Arrête de dire des choses que tu dis dans tes prières. Si tu n'as pas compris, ou si tu as compris la chose, ce que la Bible dit, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce. Je n'ai pas compris. Je te rends grâce, Seigneur, tu as voulu que ce soit ainsi. Je te rends grâce. Mais non, Seigneur, on dit non, mais ça n'arrange rien parce que ça ne va pas te positionner dans la dimension ou dans une position où tu dois jouir de ton héritage. Parce que là, Dieu va dire, mais tu parles à moi, mais tu ne devais pas parler à moi, tu devais regarder à la montagne. Parce qu'il y a une dimension, quand tu tournes vers moi, tu m'adores, tu m'élèves. Mais quand il s'agit de défis, regarde là-bas parce qu'il y a un travail qui a été fait à la croix pour toi. Toi, regarde les problèmes, regarde la maladie, regarde le chômage, regarde la pauvreté, regarde l'obstacle, regarde les problèmes qui te... Regarde l'ennemi Goliath qui est devant et dis-lui, toi, à cause du sang, tu vas t'aplanir. Change ta façon de prier. Mais comment tu vas prier bien? C'est quand tu comprends la révélation. La révélation, que tu as une garantie. Quand tu comprends ces choses, c'est comme, écoutez, par la grâce, on est dans une excellente maison où la parole, quand vous suivez même les PP à Paris, partout, nos pères nous enseignent sur des vérités. Et nous devons vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Et cette parole que nous écoutons, ça développe en nous une certaine autonomie spirituelle. Au point que, où que tu sois, Satan ne peut pas t'intimider. Parce que ce qui te rend fort ou forte, c'est la révélation de la parole. Ce que tu comprends, voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. C'est la révélation de ce que Dieu dit. Qui te positionne, qui te dit désormais toi, alors que hier on te dominait aujourd'hui, puisque tu as compris, Satan ne peut plus t'intimider. Des fois vous croyez qu'il faut prier, il faut aller en jeûne, non. Les jeûnes permettent à ton esprit de s'affirmer, de te connecter avec Dieu, mais la révélation te permet d'exercer ton autorité et de parler à Satan, de dire Satan, quitte ma maison, sors d'ici. Ça suffit, il faut que tu dégages. Et quand tu l'as dit, Satan sait. Vous voyez, hein? Satan sait que quand tu me dis ça, il sait. Ça, il sait que non. Celui-ci a une garantie, il a l'assurance. Celui-ci, il sait. Il sait que non.
Quand il me parle, c'est pas comme les sept fils de Séva là, c'est pas ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont comme les sept fils de Séva, il va dire au nom de Jésus que le pasteur Gislain presse eux. Non, ce qui te rend, qui te donne le droit légal d'utiliser les pouvoirs de la parole, c'est ta connexion personnelle avec ta parole. C'est ce que tu expérimentes toi-même avec ta parole qui te positionne. A dit, non, le Dieu du pasteur Gislain, sors là-bas. Satan, il a dit, je connais Gislain. Toi, je regarde ta vie là, tu ne connais rien. J'ai prié que cela ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc la garantie que nous avons, c'est cette assurance qui doit nous conduire cette année. Tu dois en être sûr, comme quand on te dit, voilà, tu dois en être conscient, comme quand on te dit, bon, tu es un homme, mais tu ne peux pas oublier que tu es un homme. C'est à toi, tu es un homme. Ce n'est pas changé. Quand on te dit que tu es une femme, tu es une femme. Il faut que dans ta conscience et dans ta subconscience, il faut que tu sois conscient. Vous savez comment moi j'ai été délivré de toute forme de peur de Satan, tout ça. Satan, bon, il tente tout le monde, il sait. Il connaît qu'il a été vaincu à la croix. Mais Satan, comme tu le sais, si Satan n'a pas eu peur de venir tenter Jésus, il aura peur de toi. Il savait que c'est le Fils de Dieu qui est venu. Satan savait. Mais il est venu quand même essayer. Alors dis-toi, il aura peur de toi. Il viendra toujours essayer. Et moi, comment j'ai été délivré de ça? C'est par la parole, bien sûr, hein, tout ce qu'on nous enseigne ici. Un jour, je dormais, il dit, non, mais on est venu, Satan est venu, un démon est venu m'étrangler, mais m'embêter dans la chambre. Ah, il dit, je me réveille comme ça. Ah, tu connais des rêves là où tu vois comme si ton corps est en train de sortir. Toi, tu dis non, ton esprit est en train de sortir, ton corps est en train de... Eh, Seigneur Jésus, pardon. C'est au début de ma vie chrétienne. Tu te rends compte qu'on t'étrangle. Et un moment donné, tu dis, mais tu es seul, mais il n'y a personne, tu te réveilles, il n'y a personne. Après, tu vois comme si on t'étrangle là-bas, mais c'est comme si tu étais conscient et tu te bats à peine. Tu vas te réveiller comme ça, c'est le sommeil. Aïe, aïe, aïe. Un jour, j'ai dit, Seigneur, non, j'ai dit, Satan. Il dit, écoute, j'ai dit seulement, si tu es fort, Satan, si vraiment toi tu es fort et que tu as vaincu Jésus à la croix, reviens seulement. Frère, des fois quand tu dis au nom de Jésus la nuit, c'est par peur. Satan sait que toi tu as peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, je prends l'eau bénite, je jette dans la parcelle. Toi tu ne sais pas que Satan habite dans les eaux. Il y a des maris, des maris, il y a des esprits des eaux. C'est là où il est puissant même là-bas. Tu penses que Satan perd de l'eau. C'est ça la révélation que tu as. J'ai dit seulement Satan, démon, reviens encore. Frère. Quand tu dis ça, même Satan lui-même, il sait que c'est une autorité qui a parlé. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a été positionné par les sangs. J'ai dit, papa, depuis que j'ai dit ça, là, je pense que ça m'est répété deux fois. Plus jamais. Frère, quand j'ai vu ça pour la première fois, papa, non, mais écoute, ce qu'on prêche là, si tu n'expérimentes pas ça, tu auras l'impression comme si la vie chrétienne, c'est comme une fiction, c'est comme une histoire. Non, voilà pourquoi tu dois vivre. Voilà pourquoi les problèmes qui t'arrivent là, c'est pour que tu expérimentes la parole ici. Frère, ce que je te prêche ce dimanche ici va susciter des problèmes dans ta vie qui vont demander que tu utilises la clé du sang, qui fera en sorte que tu utilises les garanties ici. C'est la parole qui va faire appel à cet examen-là et tu dois passer par ça. Tu ne dis pas amen. Hein. Attends. Dieu vit ça. La première fois qu'on s'est mis arrivé, j'ai dit, ok. On m'avait prêché que Satan n'a rien sur ma vie. Il ne peut rien. Ok. Comme il vient essayer, moi j'utilise la parole. J'avais que la révélation. Écoutez bien. Je n'ai pas fait une longue prière. Quand j'ai vu ça, je me suis réveillé. C'est que beaucoup font, c'est trembler, prier au nom de Jésus. Non. Moi j'ai pris mon drap, je me suis couvert. J'ai dit, Satan, si tu es fort, reviens. Je me suis endormi comme un bébé jusqu'à le matin, il n'est plus revenu. Depuis ces jours-là, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, les gars, quand tu comprends la vérité, il te dit, ah, là, on les laisse, pardon, allons-y ailleurs. J'ai dit, ah, je comprends. Donc, la clé, c'est quoi? C'est connaître la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu me dit ce matin,
Je t'ai donné des garanties. Par mon sang, tu as eu des garanties. Tu as de l'assurance. Tu as une caution. Et la vérité, c'est quoi? La garantie est toujours supérieure au prix qu'on paye. La caution qu'on donne, c'est toujours supérieur. Donc, tout ce que tu peux vivre là, c'est bien. Mais la garantie que Dieu donne est supérieure à cela. Donc, ça me rassure une double paix. Ça me donne une double assurance. Je veux que tu commences 2024 en étant beaucoup plus posé. Ne sois pas agité. Sois posé. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la révélation qui doit te conduire. La vie chrétienne ne commence pas par des troubles. Ça commence par bâtir les fondements. Et ceci, c'est un vrai fondement qui fera que Satan ne peut pas s'approcher de toi. Il ne peut pas jouer de toi. Il ne peut pas. Alors, la première garantie qu'on va voir ce matin, c'est la garantie du pardon. La garantie du pardon, parce qu'il s'agit du sang. Nous devons comprendre, quand nous parlons du sang, nous le savons. Et j'aimerais revenir sur ça pour essayer de rester un peu plus, voilà, être un peu plus consistant pour que tu comprennes. La garantie du sang. Comprends que la garantie, c'est une assurance, une caution que Dieu paye pour toi, Dieu donne. La garantie du pardon, c'est la dimension où Dieu te dit, rassure-toi que le pardon que j'ai acquis pour toi à la croix, c'est tellement suffisant et ça fait son travail. Rassure-toi que lorsque la Bible dit, nous allons lire ça, Psaume 130, les versets 3 à 4 dit, Seigneur, la version Louis II dit, si tu gardais les souvenirs des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve qu'auprès de toi. Les psalmistes te disent, mais si toi tu gardais les souvenirs des iniquités, qui va tenir devant toi? Si Dieu devait garder les souvenirs des iniquités de nos pères, de l'ancien, tout ça, il va lister des choses. Il dit, mais eux, mais papa, qui va tenir? Et la version parole de vie dit, Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui pourra tenir debout? Mais toi, tu peux pardonner et ainsi on te respectera. Il montre un état, une dimension de Dieu qui pardonne tout. Il pardonne quoi? Les fautes et les iniquités, Dieu pardonne. Mais comment il a fait pour qu'il arrive à nous pardonner cela? Parce que ici, les psalmistes révèlent la dimension du cœur de Dieu. Il ne garde pas de choses pour te rappeler ça le lendemain. Non! Il ne garde pas dans sa mémoire des choses pour venir te dire, hein, toi, tu m'avais fait ça l'autre fois, là, tu reviens encore. Hein. Tu avais péché, non? Toi, tu avais fait ça, tu reviens encore, toi. Hein? Le psalmiste dit, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est-à-dire, le pardon se trouve qu'auprès de Dieu. Frère, les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent te dire, te rejeter. Oui, c'est vrai. Mais écoute, quand tu viens devant Dieu, sache-le que le pardon ne se trouve qu'auprès de lui. C'est lui qui pardonne réellement. Quand il pardonne, il oublie. Il n'a pas entendu ton amen. C'est auprès de lui que se trouve le pardon. Et les psalmistes le dit. Et connaissant toujours l'iniquité ou les fautes, la Bible dit dans Jérémie 31, 29, il dit, on vous avait dit, en ces temps-là, on ne dira plus ces proverbes. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont des dents des enfants qui sont abîmées. On ne dira plus cela. Ça ne sera plus question. Voilà, les pères ont commis des actes et les enfants vont payer les prix. Non, il dit, il annonçait une génération, un temps qui va arriver où chacun va payer pour son péché. Ça veut dire en d'autres termes, si mon père a vécu dans l'impudicité, dans les péchés, oui, c'est devenu l'iniquité qui a été balancée dans ma vie. Et je suis né de nouveau enfant de Dieu. Frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai dit, ne soyez pas plus conscient de l'iniquité que du sang de Jésus. Attention, attention. Parce que ce que la Bible révèle ici, dans Jérémie, dit, ça ne sera plus le cas. Avant, dans la scène, c'était ça, que les pères ont commis des bêtises, les enfants vont payer les prix.
Mais la Bible, quand il dit ça, il dit ici, il dit ça ne sera plus le cas. Elle dit, je vais mettre une barrière. Ça ne sera plus question dans les enfants. Les pères ont mangé. Moi, je n'ai pas fait le mal. Mais c'est moi qui est en train de voir mes dents être agacées. Ce n'est pas normal. Et Dieu annonce un temps où il dit, je vais mettre fin à cela. Mais ce temps-là a été aboli par le sang. Donc aujourd'hui, quand tu regardes, il faut que tu regardes bien ta vie. Et que si pour toi, la référence, le point de départ, c'est tes parents biologiques ou bien c'est tes parents biologiques, au point que tu dis, mais puisqu'ils ont vécu ça, ma vie aussi va vivre ça. Là, tu n'as pas compris. Là, tu es dans une erreur. Parce que la Bible est claire là-bas. Dieu dit, j'annonce, il y a une saison qui va venir. Cela veut dire quoi? Si je suis là, je suis mon père. Je me rappelle encore au boulot, parce que mon père a travaillé là-bas. Là où je travaille, mon père a travaillé là-bas. Il était DRH. Alors, on me connaissait. On sait que l'enfant est tel. Vous savez ce que les gens me disaient? Ils disaient, mais ah, toi, tu n'es pas comme ton père, tu es différent. Parce que ils ont connu mon père dans une vie. Ils savaient que non, mais après, bon, ok. Il a sa vie, hein. Maintenant, en voyant le fils, normalement, il s'attendait que je sois comme lui. Donc, quand il dit comme lui, vous comprenez, non? Donc, vraiment là, suis le père, quoi. S'il est tiré, toi, si on doit avoir tel père, tel fils, on sait que c'est normal. C'est l'héritage. Non. Il se disait, il dit, mais toi, on te voit différent. On te voit différent. Et moi, je me moquais, je disais, mais on doit être différent parce qu'en réalité, le sang que je transporte actuellement, ce n'est plus le sang de mon père biologique. Quand je suis né de nouveau, il y a une transfusion de mon nouveau papa. Donc la Bible dit, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Lesquels sont nés? Moi, je suis né de Dieu. Donc, je suis sorti de Dieu. Le sang qui circule à moi, ce n'est pas le sang de mon père biologique. Donc, quand je suis né de nouveau, Dieu a changé le sang. Or, si l'iniquité se repose dans le sang, Dieu a changé le sang. Alors, Satan, tu ne mourras pas. Frère, ce sont des choses dont on parle. Mais il faut en être conscient pour revendiquer, pour parler Satan. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Voilà pourquoi il est important, quand tu deviens enfant de Dieu, que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé les jours où tu es né de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé quand on dit naître de nouveau? Ça commence par là. Le sang a son impact. Dès le premier pas, quand tu nais de nouveau, il y a le sang, il y a une transfusion à toi. Qui vient pour te déconnecter. Mais tout dépend de la révélation que tu as. Beaucoup de chrétiens sont là à l'église des années. Mais nous vivons la vie qui n'est pas la nôtre. Mais est-ce que c'est la faute de Dieu? Jésus doit encore aller mourir à la croix pour une deuxième fois. Si on dit l'œuvre est achevée, ça dit c'est achevé, non? Dieu a fait sa part. À nous, faire notre part. Comprends bien ces choses. Comprends bien. Je prie que tu comprennes ça. Prie que tu comprennes ça. Et dans la garantie du pardon, tu comprends que même lorsque tu te retrouves ce matin, tu dis, mais oui, je viens aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je suis encore conscient de l'iniquité de mes pères. Mais écoutez, la garantie du pardon, la Bible dit, tu vas voir, tu vas comprendre ça. Dans Ésaïe chapitre 53, il dit, il va plus loin, il dit, versets 4 à 5, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Esaïe le dit, le prophète, il dit, cependant, nos souffrances qu'il a portées. J'ai porté les souffrances. Si Jésus a porté tes souffrances,
Qu'est-ce que toi tu es en train de porter ce matin? Et il y a des souffrances qui se collent à toi parce que tu n'acceptes pas le pardon de Dieu. Alors que Dieu te dit, je t'ai donné la garantie du pardon, je t'ai pardonné quel que soit le péché. Et ici, Esaïe dit, il a brisé pour nous les péchés. Il était brisé pour nous, pour nos péchés, pour tout ce que tu avais comme péché. Jésus était brisé pour ça, brisé. Il était même blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Les deux dimensions, péché et iniquité. Jésus a été blessé et brisé. Pour qui? Pour que toi, tu continues à être conscient de tes péchés et de tes iniquités, puisque l'œuvre achevée de la croix. Pourquoi il est allé à la croix? Frère, à un moment donné, quand on lit la Bible, si tu sens que non, ça ne va pas, mais tu dis, mais tu as envie de dire, mais après, si ce n'est pas vrai, mais prenons la Bible, jetons là. Parce qu'il y a une œuvre qui a été achevée. Il est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je ne peux plus être conscient. Oui, c'est vrai, nous brossons d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai, je peux tomber. Mais même lorsque je tombe, ça veut dire quand je tombe là, ça veut dire quoi? Quand on parle qu'il a pris nos péchés, il a été blessé pour ça. Il dit, la source, Jésus est allé résoudre la croix, le problème du péché. La source du péché, il a résolu ça. Parce qu'en réalité, ce qui te pousse, ce qui te poussait à pécher, il y avait une nature en toi qui te poussait tout le temps. Va te masturber, va prendre l'alcool, va faire tout ça. Cette nature-là, c'est ce que Jésus est allé résoudre à la croix. Et ça n'est fini. Fini. Ce que tu as de vivre aujourd'hui, non, pasteur, je n'arrive pas à me garder. Oh non, je sens qu'il y a des amis qui m'ont dit, non, ne te dérange pas. Ce sont des péchés en voie de disparition. Parce que l'usine a été déjà bombardée. Ce que tu vis là, ce que tu vis là, ça va disparaître ce matin par la puissance du nom de Jésus. Ce ne sont que des péchés en voie de disparition. Ne te dérange pas pour ça. Ne sois pas plus conscient des iniquités, non. Sois plus conscient du sang, le sang. Le sang, c'était le prix payé. Il a payé le prix. Et j'aime la Bible. La Bible dit ceci. La Bible me dit ce don. Oh Seigneur, merci pour ta parole. 1 Pierre 1, 18-19, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été arrachés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau, sans défaut, sans tasse. Mais les vaines manières, ce sont les iniquités qui ont été transmises par le sang. Tu as hérité un comportement, une façon de vivre, vaines manières. Mais Jésus dit, c'est par le sang qui nous a racheté de la vaine manière de vivre. Donc, si aujourd'hui, tu vis encore quelque chose qui vient de tes parents, tu dis, tu es en voie de disparition ce matin. Tu es en voie de disparition parce que Jésus a résolu ce problème à la croix. Tu es en voie de disparition. Je le déclare, je le confesse. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est ta responsabilité de le dire. La Bible est claire, vaine manière. Qu'est-ce que tu as hérité de tes parents? Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as? Tu en es conscient? Mais si tu en es conscient, la Bible ne te dit pas que tu dois t'arrêter là, non. Il dit, il y a la solution, le sang. Tu as racheté de ça. Tu es déjà racheté. Ce n'est qu'à toi de dire, toi, si mon père était impudique, et je sens qu'il y a des désirs impudiques qui viennent vers moi, je dis, toi, tu commences par où? Attends. Le sang a été versé là-bas. Et toi, arrête-toi là-bas. Tu ne peux pas m'avoir parce qu'il y a un prix qui a été payé. Non, je ne suis plus de cette lignée-là. Je ne suis plus de là-dedans. Qui doit parler? Mais c'est toi. Dis-moi amen. Amen. Seigneur, accorde la grâce de comprendre ces choses. Ton sang vient ôter les péchés et les iniquités des pères, source de tes souffrances. Il dit, il a porté les souffrances. Tu souffres dans ta famille, dans ta vie, tu souffres, il a porté les souffrances. Tu souffres, tu as des douleurs, il s'est chargé. Et tu as quoi? Il a été puni, frappé.
On ne peut plus te frapper. Mais voilà pourquoi quand tu pèses aujourd'hui, Dieu ne peut plus te frapper parce que Jésus a été frappé à ta place. Dieu, quand il te regarde, il dit, j'ai compassion de ma fille. Non, non, parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris sa place. Dieu ne peut plus te condamner. Voilà pourquoi Romains 8, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ. Et j'ai le droit de regarder le diable, Satan, comme ça, face à face. Ton vendi pena boy, Satan, ton talana, yo. Tu ne peux plus me condamner, toi, Satan. Frère, c'est l'audace. Ayez l'audace. Chassez Satan, les démons, comme des chiens. Tu n'as pas le droit de m'embêter. Si on a payé le prix pour moi, pourquoi tu viens me tourmenter? Un autre pied, c'est la culpabilité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils vivent dans la culpabilité. Tu n'acceptes pas le pardon de Dieu. Tu n'acceptes pas le prix payé. Et là, ce que Satan fait, il t'aïe dans les pieds de la culpabilité. Tu es là tout le temps, je ne suis pas digne. Et quand tu commences à prier, tu ne sais même pas faire de longues prières. Quand tu commences seulement, il te dit, toi, tu as péché, non? Toi, là, regarde-toi, impudique, regarde-toi. Regarde ce que tu fais. Et là, du coup, tu écoutes, tu es là, oh, laisse-moi. Oh, Satan, toi, laisse-moi. Eh, papa, on ne dit pas ça. On ne fait pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu entends la voix, tu entends la voix qui commence à dire, toi, tu n'es pas dit, tu arrêtes, tu regardes Satan. Toi qui parles, qui es-tu? Quand il y a un problème entre un enfant et son père, est-ce que la bonne peut parler? Est-ce que la bonne peut parler? Est-ce que les jardiniers peuvent parler? Les jardiniers peuvent venir faire des commentaires entre la discussion de toi et de ton papa? Mais pourquoi tu laisses les jardiniers Satan parler dans ta vie? Il entre partout. Il veut faire des commentaires. Au moins, il y a des gens qui sont tu vas regarder, tu dis, hein? Toi? Tu entres dedans. Je pense que si tu es un enfant mature dans la maison, tu vas dire la bonne, toi, papa va partir, ma camion, salon andago, tu vas regretter. Pour lui dire quoi? Tu n'as pas droit d'entrer dans cette affaire ici. Papa, si tu as commis une bêtise, Dieu t'a pardonné. Satan ne peut plus te rappeler cela. Satan ne peut pas. Tu parles de culpabilité. Tu as commis une bêtise, relève-toi, laissant couler pour tes péchés présents et futurs. Ne te dérange pas, relève-toi. Même si tu as commis un péché avant de venir ici, le sang est d'actualité. Satan ne peut pas te culpabiliser. Tu es venu dans la maison de Dieu, Dieu t'accepte. Le sang de Dieu est favorable pour toi. Dis-moi amen. Ça bloque beaucoup de chrétiens. Culpabilité, je ne suis pas digne. Est-ce que toi tu as lu dans la Bible, on t'a dit l'histoire de la Bible, l'homme, est-ce qu'on a parlé à l'homme d'être digne? Si l'homme était digne, Jésus n'allait pas mourir à la croix pour toi. Ça n'a jamais été question d'être digne. Nous tous ne sommes pas dignes. Il n'y a que Jésus qui a été trouvé digne. Nous tous, papa. Il n'y a pas de jugement à faire, oh non. Lui là, c'est un impudique, c'est un pécheur. Bon, oh yo. Ce que toi tu fais, si Dieu devait étaler ça là, on... oh, Tikako, sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Quand tu comprends ces choses, la garantie du pardon, papa. Jésus a dit, c'est lui à qui on a beaucoup pardonné et aimera plus. Toi, tu pardonnes les gens difficilement parce que tu n'as jamais réalisé les pardons que Dieu t'a accordés par son sang. Regarde les péchés que tu commets. Si Dieu devait tenir compte de nos vies passées, toi, tu seras où? Quand tu réalises ça, pardonne ton frère et ta soeur qui te fait du mal. Parce que toi aussi, on t'a pardonné. Toi aussi, on t'a pardonné. Oh, Seigneur, la garantie du pardon. Satan ne peut plus te retenir à cause de ça. Il ne peut plus. Cette année 2024, papa, quand tu marches, dis-toi, j'ai un problème avec Dieu, pas avec Satan. Marche seulement, dis-toi, Satan, pardon, je n'ai pas de problème avec toi, je ne te calcule pas. Moi, mon problème, c'est prier, chercher Dieu pour vivre la gloire de Dieu. Je n'ai pas le problème. T'as là. C'est là dans l'accent. Attends. Marche dans la vie. Moni, lorsque de part et d'autre, la vie des uns et des autres ne te concerne pas. Tout droit, ligne droite. Moi, c'est Dieu.
Satan, même si tu parles, je ne fais aucun cas de ta voix parce que tu ne me diras rien de bon. Tu vas venir me rappeler mes péchés pour m'accuser, mais je sais que le sang là-bas à la croix a tout fini, donc je suis pardonné. C'est faux pour toi. Frère, je te parle, mais écoute-moi, le message ici, c'est pour maintenant et pour futur. Même si je ne te dis pas que non, forcément tu vas tomber au nom de Jésus. Mais même s'il arrivait que tu tombes, frère, relève-toi parce que le sang est d'actualité pour toi. Ce qui est important pour Dieu, non pas que tu restes couché, que tu sois debout, même si tu tombes, relève-toi vite et marche, avance. Et la chose qui peut te permettre de rester debout, c'est le sang qui parle tout le temps. Le sang crie pour toi. Le sang parle pour toi. Que personne ne te condamne. Écoutez-moi, lorsque Jésus a dit à cette femme-là, il a dit, va et ne pêche pas. Point. Est-ce que tu as entendu parler que cette femme-là était retournée faire encore la prostitution? Tu as entendu qu'il avait retourné la prostitution? Non. Père, quand Dieu te pardonne, c'est un enseignement, c'est la grâce qui te relève, qui te booste, qui te permet de rester debout. Tu comprends que c'est par amour que Dieu te pardonne. Ah, tu ne resteras plus couché, tu ne resteras plus dans ces péchés-là. Les péchés ne te dominera plus parce que le pardon vient avec le message de la grâce. C'est une garantie pour toi, pour te garder à la présence de Dieu. Dis-moi amen. Relève-toi. Les péchés, les iniquités, Christ a résolu ça à la croix. Et c'est ta responsabilité de dire quelle iniquité est dans cette famille. C'est quoi? Je présente le sang. Le sang. Voilà le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang a brisé toute iniquité. Alors, quand tu commences à exercer, tu commences à écouter, il y a une dimension. Il y a la libération totale que nous avons eue au moyen par l'Esprit, quand nous sommes nés de nouveau. Mais il y a une dimension de délivrance totale que nous devons expérimenter au niveau de l'âme, de nous délivrer totalement pour vivre pleinement. Là, ça vient progressivement. Lorsqu'on est conscient de tout ce qui est à toi, voilà pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, l'Esprit nous rend conscient de tout ce que le Père nous a donné par sa grâce. L'Esprit nous révèle, quand tu sais que ça c'est mon héritage, qu'est-ce que je dois utiliser? Le sang. Le sang est là. Toi, on a bloqué les mariages dans la famille. Le sang. Le sang. Le sang de Jésus a été payé pour ça. Allez, retournez. Prêt. Quand on parle comme ça, c'est depuis parler à Dieu. Arrête de faire ça. C'est depuis Dieu, c'est parle à la montagne. Présente le sang. Arrête de tourmenter Dieu. Non, papa, Dieu t'a établi sur la terre pour vivre sa gloire. Il t'a établi. Maintenant, il te dit, toi là, prends possession. Qui est bloqué? Et qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie ou dans ta famille? Tu as été pardonné. Il n'y a plus de culpabilité. Il y en a plus. Il y en a plus. Plus jamais. Il n'y a plus de culpabilité. Donc, sois détendu et relaxe. Détendu, relax. 2024, oh vraiment, comme le kino dit, je te vois en guébou, vraiment, tu es vraiment, tu es en train de danser. Oh, mais acclame les seigneurs, acclame les seigneurs. Oh. Ce sont de tels messages que Satan aimerait que tu entendes, mais oh, il a échoué. Que le diable ne vous trompe donc plus jamais. Car autant la gravité de vos péchés, passé, présent et même futur sont terribles, autant le sang précieux de Jésus est puissant, très puissant et même plus puissant pour vous en délivrer et pour vous purifier. Le sang, frère, utilisons le sang. Et la deuxième garantie rapidement, c'est la garantie de la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Parce que le sang a été versé pour nous purifier, nous laver. Dis-moi, amen. Maintenant là, est-ce qu'on lave-t-on une assiette? Pour laver seulement, vous lavez, non. Lorsqu'on lave une assiette, la finalité, c'est de mettre quoi? La nourriture, non? Voilà. Alors là, quand Dieu vient pour nous laver, regardez bien. Quand il a créé l'homme, parmi les premières choses, la première chose qu'il a dit à l'homme, la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les avait établis dans la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Lorsque Dieu vient te parler de la garantie du pardon, pour que tu ne vives plus dans la culpabilité, il dit maintenant, regarde la suite. Tu dois te voir établi dans la
bénédiction selon la pensée originelle de Dieu. Il dit, je te donne ça comme une garantie. Et laissons à couler pour te rassurer que tu vas vivre dans la bénédiction. La garantie, ça dit, je paye ce prix-là pour te rassurer. Tes péchés seront toujours pardonnés. Et deuxièmement, toi, tu vivras la bénédiction qu'ils veulent ou pas. Toi, c'est la fin de ta vie, c'est la bénédiction. Hey, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ça. Même si l'iniquité a fait que longtemps passé, tu as été colonisé par une forme de pauvreté qui t'a conduit, qui t'a régi. Mais écoutez, le sang de Jésus dont on parle, il est puissant ce matin pour te délivrer de ça. Ça commence par ton système de pensée. Et quand il dit la bénédiction, regardez bien, très bien là, vous allez comprendre ça. C'est la pensée originelle de Dieu. Ce qu'il avait dit à l'homme dans Genèse chapitre 1, verset 22, il dit, bon, ok. Alors, l'homme, il dit, je l'ai béni, il dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est la bénédiction que Dieu avait voulu. Alors, regardez bien, je vais expliquer une chose, je vais expliquer ça très bien. La bénédiction, comme je l'ai dit, c'est la pensée première de Dieu. Mais vous allez faire la différence entre la bénédiction et les miracles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous voulons les miracles, les signes et les produits. N'est-ce pas? On veut, Seigneur, fais des miracles dans ma vie. Fais des produits. Je veux ça. Mais, dans la pensée de Dieu, il n'avait pas créé l'homme pour vivre les miracles. Les miracles, au commencement, ça n'existait pas. Les miracles viennent comme une interruption, une intervention de Dieu pour résoudre les problèmes de l'homme d'une manière momentanée. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Aide-nous à comprendre ça. Quand il dit dans Genèse 1, 22, il dit, je l'ai béni. Dieu voulait que l'homme reste là, béni de tous côtés. Il voulait que l'homme puisse vivre dans cette dimension. Mais quand l'homme a péché, Dieu a commencé à intervenir, à venir étendre sa main, à venir intervenir, miracles, signes et produits. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas désirer la dimension des miracles, des signes et des produits. Non, toi, la dimension que tu dois désirer, puisqu'il y a une garantie, la dimension de la bénédiction où tu es établi. Et vous allez comprendre ça. Les enfants d'Israël, dans les déserts, ils ont expérimenté beaucoup de choses dans les déserts. Mais regardez très bien. La dimension du désert était différente de la dimension de Canaan. Canaan, Dieu avait dit, c'est le pays où coulent les laits et les miels. Où coulent. Mais est-ce que Dieu avait déterminé le temps où le lait sera en train de couler? Non. Il a dit, c'est une dimension où les laits et les miels couleront régulièrement, constamment. Or, dans les déserts, la manne ne tombait pas à chaque instant. Il y avait des moments précis. Aïe, 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 aïe. Il y avait des moments précis où la manne tombait. Frère, Dieu ne veut pas que tu aies des miracles. Le lot, suit l'homme, suit l'homme. Non, Dieu veut que tu demeures dans la bénédiction. Hé, maman. Laissons couler. C'est comme Adam quand il vivait dans les jardins d'Eden. Dieu avait créé le jardin d'Eden pour l'homme. Il a tout mis dedans, béni dedans, béni, baigné dans la bénédiction. Il n'avait pas voulu que l'homme puisse vivre dehors. Et tout ce que tu vois, des fois quand tu envies des choses, n'envie pas des choses. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Toi, tu es là. Ça est l'angabi kamae. Ça est l'angabi kamae. Ça est l'angabi kamae. Tu comprends ce que je dis? Fais les miracles pour moi. Fais un miracle. Ne demande pas les miracles. Quelqu'un m'a dit, pasteur, mais ce que tu dis là, c'est comme... Non, non. Les miracles, c'est une intervention divine pour résoudre et que ça peut venir d'une manière temporaire. Temporaire. Qu'ont fait les enfants d'Israël? La manne n'était pas tout le temps. Et à un moment donné, ils ont mangé la viande. Et à un moment donné, les rochers. Et puis après, ça devait sécher, passer à notre camp. C'était comme cela que Dieu les conduisait. Mais l'objectif, c'était qu'ils puissent aller à Canaan. À Canaan, c'est là où ils étaient établis. Ils devaient vivre d'une manière
vivre les repos de tous côtés bénis. Et c'est ça la pensée de Dieu pour toi en cette année 2024. Il veut que tu sois établi dans tes affaires, tu sois établi dans ton foyer, et tu sois établi dans tout ce que tu fais. Il veut te voir établi. Il ne veut pas voir aujourd'hui il y a ça, demain il y a sécheresse, il y a non. Il veut que tous les marchés viennent à toi d'une manière permanente. Quand on comprend ces choses, on bénit Dieu et on dit, Seigneur, cette dimension, je veux cette dimension-là. La dimension de la garantie de la bénédiction. La garantie de la bénédiction te dit quoi? Galates chapitre 3, le verset 13, il te dit, Christ s'est fait malédiction pour que toi, tu puisses vivre la bénédiction. Ça te dit quoi? Tu es condamné à être béni. La garantie dit, tu es condamné, mon frère, ma soeur, même si dans votre famille, il n'y a que des pauvres et des pauvres. Tu es le premier homme riche dans ta famille, la première femme riche. Hey, hey, la qualité de ton amen là détermine la vérité qui vient sur toi. La garantie te dit quoi? Toi, j'ai donné la garantie pour que toi, quand tu mourras riche. Tu vas arrêter, laisser l'héritage aux générations futures. Même si toi, on ne t'a pas donné l'héritage, toi, à ton tour, tu laisseras l'héritage. Toi, tu es béni. C'est la garantie de la bénédiction. Et la Bible dit, dans Genèse 22, 15 à 18, lorsqu'il parle d'Abraham, il dit, Abraham, quand Dieu lui demande, il dit, alors, donne-moi ton fils Isaac. Abraham, il obéit à ce que Dieu lui avait demandé. Il obéit parce qu'il savait que non, le Dieu qui m'a donné Isaac, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui est à mesure de les ressusciter. Alors, comprenez bien. Garantie dans la bénédiction. Quand Abraham a obéi, Dieu lui a dit, regarde, il y a un bélier qui est là-bas, prends ce bélier-là et tu vas tuer le bélier et ensuite, on verra la suite. Quand il a fait ça, quand Dieu a vu le sang, comprenez bien, la garantie de la bénédiction par le sang. Le sang te conditionne à être béni. Quand Dieu a vu le sang, Abraham avait obéi, c'est bon. Mais quand il a vu le sang de l'anneau, il a dit à Abraham, Abraham, je jure, toi, je vais te bénir. Mais Dieu, tu l'avais déjà dit, il dit non, j'ajoute un serment. Je jure, Abraham, parce que je vis le sang. Mais donner Isaac, c'était synonyme de l'agneau immolé. Le fait que tu puisses tenter de tuer ton enfant, en réalité, tu l'avais déjà tué. Donc, je vis le sang qui est là-bas. Et il dit, Abraham, toi, à cause du sang, Abraham, je te bénirai. Il dit, je jure. C'est comme ce matin, Dieu jure à cause du sang de Jésus qui a coulé. Il dit, toi tu es béni, tu es béni, tu es... Oh. C'est le début de l'année, tu es béni. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Écoute, il ajoute, il dit, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Écoute, il ajoute une chose qu'il n'avait jamais dit à cause du sang. Il dit, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. C'est-à-dire, c'est toi qui auras les contrôles d'accès de tous tes ennemis. Les sorciers de ta famille, ils ne vont pas entrer, ils ne vont pas sortir si toi tu n'autorises pas. Les occultistes de ta famille, ils ne vont faire aucun mouvement sans ton autorisation. Personne ne va entrer, va sortir dans les cas de tes ennemis si toi tu ne les autorises pas. Tu vas les autoriser seulement une seule chose qui puisse donner leur vie à Jésus. Il dit ta postérité, pas seulement toi, il dit ta postérité possédera la porte. C'est une position d'autorité où tu possèdes, où tu contrôles. Frère, cette année 2024, tu vas contrôler. Tu étais là, ah non, les ennemis, les combats, tu vas contrôler tout combat de ta vie. Tu auras le contrôle de tous tes ennemis. Tu auras le contrôle de ce mari de nuit qui vient te tourmenter la nuit. Tu as le contrôle sur lui. Tu dis, reviens encore. De ce démon de pauvreté qui vient nuire à tes affaires. Tu viens toucher ceci, ça ne marche pas tout. Désormais, tu as le contrôle. Ah, dis-moi, amen. C'est la garantie de la bénédiction. Pourquoi? Dieu a vu le sang. Quand Dieu voit le sang, il est satisfait. Et c'est l'homme qui doit vivre sa part.
Et quand on parle de la garantie de la bénédiction, c'est ma part. C'est ma part. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. Frère, refuse d'aller au ciel. Refuse, frère. Refuse d'aller au ciel. En passant à côté de tout ce que Dieu t'a promis sur la terre. Non, refuse. Il y a des choses que Dieu a dit, tu vivras ça sur la terre. Vis. Vis en s'attendant à cela, en sachant que tu iras au ciel. N'oublie pas le ciel. Mais tu es en train de dire non. Le sang me permet de manifester mon héritage sur la terre. C'est vrai, j'ai l'assurance du salut. Mais sur la terre, le sang me permet. Mon mariage ne peut pas être bloqué, tout le temps bloqué. Quand un frère vient, il commence seulement deux ou trois mots fiançailles, il disparaît. Ce n'est pas normal. Le sang a tout résolu. Si dans notre famille, dans la génération, on a sacrifié toutes les filles, elles ne vont pas se marier. Les jeunes gens vont étudier, ils ne vont pas se marier, ils ne vont pas travailler. C'est fini chez moi à cause du sang. Révolutionne-toi. Le sang est là. Le sang parle comme le sang d'Abel. Le sang a besoin de toi. Il dit, mais sois conscient. Je vais parler comme j'ai crié pour Abel. Je vais crier pour toi. Sois conscient, je vais crier. Toi, tu deviens là, les frères, quand ils viennent, ils te regardent. Tu es belle, tu as tout. Mais qu'est-ce qui fait que toi, c'est quoi? Je dis, hein? J'ai vu ça. Je reconnais. Dans la famille, il y a ça. Mais moi, je suis d'une nouvelle race. Quelqu'un qui disait, pasteur, même pour les affaires, c'est compliqué. Il y a la pauvreté de la famille qui me ronge. J'ai dit, tu n'as pas compris une chose. Tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas, avec le sang, avec la garantie, tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas être pauvre. Pour un chrétien, écoutez, les descendants d'Abraham, tu vas comprendre, nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est ce que Paul dit dans Galates, il dit, l'accomplissement de ce que Dieu a dit à Abraham, son accomplissement est en Christ. C'est-à-dire en nous. Voilà pourquoi Ephésiens 1, 3 dit, nous sommes bénis. Donc nous là, c'est nous qui devons vivre la vraie bénédiction. Ce qu'Abraham avait vécu, ce n'était que la levée des rideaux. On parle d'Isaac, riche, fort riche, mais la Bible dit, l'accomplissement était en Christ, donc en nous. Papa, je te vois acheter des jets privés, des avions, tu as une société d'aviation, tu as des banques, je te vois, fort riche, deviens riche, fort riche. Vous pensez quoi? La richesse sous la bénédiction, ça agace Dieu, ça dérange Dieu, ça met Dieu mal à l'aise. Si toute l'église ici, on pouvait avoir tout un chariot automobile, nous tous, Dieu sera dérangé à quoi? Dieu sera dérangé à quoi? Comme on dit les Kinois, Matisse à niveau. Tu établis cette année, la bénédiction est ta garantie. Je ne vois même pas comment tu vas échouer cette année. À cause du sort. Acclame les Seigneurs si tu crois, c'est l'acclame des Seigneurs. Acclame le Seigneur. Tu es béni, acclame le Seigneur. Élève-toi, tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Tu dois apprendre à prier conformément à cette vérité. Tu vas apprendre à prier conformément à ce que le sang a apporté dans ta vie. Deux grandes garanties. Il y a la garantie du pardon. Tu es pardonne de tout péché et de toute iniquité. Et tu as le droit de brandir le sang pour dire que c'est fini. Il n'y en a plus rien. Et la Bible dit dans Colossiens 2, 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, effacé. Alors ferme les yeux. Sois plus conscient de la puissance du sang de Jésus. Aïe, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être conscient du sang. Le sang versé. Le sang précieux de Jésus. Qui vient nous délivrer de toute forme de réclamation. De toute forme de blocage, de limitation. Il a été blessé à cause de nos péchés et brisé pour nos iniquités. Il a porté nos souffrances, nos douleurs. Seigneur, tu as pris ça.
tu as pris toutes ces choses, c'est là, c'est la vérité. La réalité ne peut pas dominer la vérité qui est dans ma vie. Je le déclare. Tu as pris ce fardeau-là. Alors au début de cette année, je me positionne. Je déclare que ce matin, tout ce qui retenait ma vie, tout ce qui me bloquait, tout péché qui restait dans ma vie, oh, qui me revenait dans la mémoire, ce matin, je te présente le sang. Je présente le sang de l'agneau. Et je dis, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Par la puissance du sang de l'agneau, j'ai dit, hey. La puissance dans le sang de Jésus. Réclamation familiale. La puissance dans le sang. J'ai vu avec le sang. Culpabilité. Culpabilité. C'est fini. Toi qui étais tout le temps dans la culpabilité. La puissance dans le sang de Jésus. Salabaros. La puissance dans le sang de Jésus. Salibaros. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Le sang de Jésus est d'actualité. Le sang de Jésus va agir ce matin dans ta vie. Ce matin, le sang est d'actualité. Et tu dois expérimenter ça. La culpabilité te quitte. Tout péché qui te retenait captif te lâche. Par la puissance du sang de Jésus. Ah. Toute malédiction qui t'accompagnait te quitte ce matin. Par la puissance du nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Répète avec moi, dis Père de grâce. Père de grâce. Merci pour ta parole qui est venue pour me délivrer de l'ignorance. Merci pour ces deux garanties. La garantie du pardon. Je crois ce matin que tu m'as pardonné de tout péché et de toute iniquité. Je suis non coupable. Je suis juste. Je me vois sans tache. Merci Seigneur. Car je suis libéré. Mon cœur est libre. Je n'ai plus de fardeau. Je n'ai plus de charge. Il n'y a aucun malheur dans ma vie à cause du sang. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi péché qui retenais ma vie, je déclare par le sang de Jésus, je suis libre, je suis libre de toute iniquité, de tout fardeau, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la bénédiction. Alors que tu nous as déchargé de tout fardeau, toute culpabilité. La Bible dit, si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Personne qui est ici rentrera avec le fardeau de son péché ou de ses iniquités. Personne. Tu nous décharges, tu nous pardonnes. Merci pour la liberté de l'esprit. Et merci pour la garantie de la bénédiction. Père, en ce début d'année, rends-nous conscients que nous sommes bénis. Et le sang a été la garantie. Merci pour la croix. Merci pour les prix payés, les prix précieux. Merci tendre Père. Là où nous étions venus tristes, nous sortons dans la joie à cause de la garantie. Il y a une garantie pour nous. Je vais vivre la bénédiction. Je vivrai au-dessus des standards de mes pères. Je vivrai au-dessus des standards de mes parents. Ma limite n'est pas la limite de mes parents. Ma limite, c'est la limite de mon père qui est Dieu au ciel. Je vais dépasser les limites de mes parents biologiques parce que je ne suis pas à leur standard. Ils ne sont pas
ils ne sont pas ma référence. Ma référence, c'est mon Dieu qui habite les ciels. Seigneur, merci de changer notre mindset, de changer notre mentalité, qu'on nous voie, qu'on se compare à la dimension de notre Dieu qui est tout puissant, qui est riche en tout. Merci tendre Père, ce matin, tout celui qui commencera une quelconque affaire, je vois la prospérité le suivre, c'est collé à sa vie. Je vois la bénédiction suivre même celui qui vendra ou celle qui vendra des braises ou de la cacahuète. Je vois la bénédiction suivre cette femme-là, cet homme-là, à tous égards au nom puissant de Jésus. Merci pour l'œuvre qui a été achevée. C'est lui, celle qui commence une entreprise. Même si on dit l'environnement est hostile, elle va prospérer au nom de Jésus. C'est la garantie de la bénédiction. Peu importe la diversité, nous allons prospérer dans cette nation. Nous allons prospérer, peu importe les systèmes. Tes enfants vont prospérer car c'est la garantie de la bénédiction. C'est la garantie de la bénédiction. Puisse cela être le partage de toute l'Église au nom puissant de Jésus. Si tu es là ce matin et que tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main droite, tous tête inclinée. Ces choses concernent que ceux qui sont en Christ. Tu es là et que ta vie doit être mise en ordre et que tu n'as pas encore donné ta vie. Tu ne connais pas Christ. Ces choses ne te concernent pas. Lève ta main droite là où tu es et mets ta main gauche sur ton cœur. Je vais prier pour toi pour que ces choses soient aussi à toi. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. Ne te retiens pas. Il y a une puissance ce matin. Il y a une puissance ce matin. Dans le sang de Jésus dont nous parlons, il y a une puissance de libération. Même si tu es venu pour la première fois, la puissance de Jésus va te libérer ce matin. Même si tu es venu qu'aujourd'hui, la puissance de Jésus là, te rend libre et vient briser les chaînes. La puissance du sang. Seigneur, merci pour les mains levées. Les mains levées. Les mains levées. Nous allons tous prier, répète avec moi et avec nos bien-aimés qui sont là. Je les crois par la foi. Répète, dis Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité de devenir enfant de Dieu. De revenir dans ta maison. Seigneur, merci pour les sangs. Merci pour les dégarantis, les pardons et la bénédiction. Je suis dans la joie parce que je suis ton enfant aujourd'hui. Quelle fête, quelle joie. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Est-ce que tu peux? Le pasteur Jean-Claude. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Pasteur. Oh, acclame. Pasteur.